Nous sommes partis pour ce let's play Pat Patrouille, mesdames et messieurs, de la découverte, de la full découverte. Mission principale. Let's go. Mission principale, supplémentaire, paramètres. Je pense qu'on va pas aller dans la paramètre. On va pas faire le fou. On va directement attaquer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, la Pat Patrouille doit aller sauver la Grande Vallée. C'est ce que nous allons faire. Mission principale. Si vous ne le connaissez pas, ce monsieur présent ici, c'est Ryder. D'accord, Ryder, c'est donc le personnage principal de la Pat Patrouille. C'est le boss. Il est incroyable, celui qui gère la brigade. Il y a plusieurs chiens, on va découvrir tout ça. Première mission, la météorite découverte. Il faut savoir que il y a déjà un... C'est beau, hein. Déjà graphiquement on peut le dire. C'est une claque. Je sais pas ce que... Oui, pas de gros mots. Ce let's play est children friendly, enfant friendly. Vous pouvez le regarder avec vos enfants si vous le souhaitez. Nous allons découvrir ça. Une météorite est tombée sur la plage de la Grande Vallée. La météorite est tombée près de la plage, mais n'a pas causé trop de dégâts. La chance. Ils ont des météorites qui tombent là-bas. Et rapportez-la à la tour de contrôle. Ça marche. Utilise la pince de Rocky pour ramasser et recycler les déchets donc, qui sont sur Rocky, c'est un petit peu le Nicolas Hulot du jeu, d'accord? C'est vraiment le recycleur fou. Dégage le passage avec Ruben pour que nous puissions déplacer la météorite. Et Ruben, bon bah lui, il est dans le tas quoi. C'est l'ouvrier de chantier. Il est là avec son tractopelle. Il est là pour arracher le serveur. On est parti. OK. Rocky Balboa. La pince de Rocky, mesdames et messieurs. C'est parti. Bon, le jeu, on le rappelle, et je mets un gros disclaimer ici, bien entendu. Le jeu, il faut le prendre en tant que tel. Hein. Il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un jeu pour les Rocky. Enfants. D'accord, 2, 3 à 6 ans, j'imagine, environ. Jeu 3 plus. Donc voilà, on est parfaitement dans l'univers de la Pat Patrouille. Graphiquement, ça ressemble au dessin animé, ça ne me choque pas. Alors oui, c'est pas The Witcher, on est d'accord, c'est pas Cyberpunk. On va trouver un peu moins de fesses à l'intérieur, mais voilà, donc on va pas spoiler, pas de backseat par contre s'il vous plaît, c'est très important. Si je puis me permettre de le comparer très rapidement à son prédécesseur, Pat Patrouille sur PS4, qui est un jeu 2D scrolling, hein, vraiment, où vous devez récupérer des croquettes, alors des croquettes en forme d'os, bien sûr, pour les chiens, et des pattes dorées, et venir sauver un petit peu les habitants de la Grande Vallée, soit sauver des mecs, soit tout simplement réparer des choses, etc. C'est un jeu qui est vraiment à l'ancienne. Voilà, ma fille, elle adore ce jeu, elle kiffe et tout ça. Elle a vraiment passé beaucoup de temps dessus, et elle est forte, elle a fait toutes les missions, donc c'est une machine. Et en fait, vous alternez les tableaux, c'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez à 100 croquettes, enfin 100 croquettes, vous finissez le tableau, vous pouvez en avoir jusqu'à 100 croquettes, et ensuite ça change de perso. Là, on est sur un jeu qui est en 3D. Et donc, de ce que j'ai compris, on peut contrôler deux personnages d'un coup. Pour atteindre la météorite. Et ça, c'est dingue. Utilise le stick gauche pour déplacer Rocky. Donc là, je vous spoil un peu. Donc là, je peux déplacer les 60 FPS là. Bon travail. Là, c'est pas tout à fait 60 FPS, si je puis me permettre. Voilà, c'est beau. Regarde ces friandises, collectionne-en autant que tu peux pour gagner des récompenses. Oh sa mère. Alors je me demande si c'est pas ma carte de capture qui rame, parce qu'en vrai, je vais pas vous mentir, que sur la PS4, ça ramait pas comme ça. Est-ce que c'est pas sur la Switch? Bravo. En plus, moi, j'ai de l'input lag. Faut savoir que quand je bouge, j'ai de l'input lag. Mais ça, c'est pas le jeu. C'est parce que je joue sur ma carte de capture. Je joue depuis sur mon PC sur le logiciel carte de capture. Donc j'ai un petit délai à cause de ma carte de capture. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Ok. Dans chaque sac, il y a 3 friandises. Par contre, je sais pas. Mais je pense pas que ce soit ma carte de capture qui fasse ramener le jeu comme ça. Je pense que c'est un jeu de. Un jeu Switch, mesdames et messieurs. Peut-être que le jeu est trop puissant pour la Switch. C'est aussi ça qu'il faut se dire. Donc là, je peux contrôler deux persos en même temps. On a Ruben. Alors je peux pas changer encore parce que c'est le tuto. Mais vous allez Génial voir. Regarde tous ces parasols. Essaie de. Oh, jure. Les parasols. Ok, je vais sauter dessus. Oh, tu as réussi. Ah, ça, alors ça c'est bien. Là c'est bien. Vous avez des enfants, vous voulez jouer à Pat Patrouille. Là cette mécanique est très bien. Pourquoi? Parce que regardez, nous on avait été émerveillés de voir notre fille le réussir, mais c'est en fait c'est automatique. Voilà. Moi je croyais que ma fille elle avait bien réussi à viser d'un coup dans ça. J'étais en mode mais t'es trop forte Anna. Et du coup, elle est forte, mais c'est automatique. C'est tout de même automatique. Ma troll. Donc là, les déchets, je vous ai dit, on contrôle Rocky. Rocky, c'est forcément le recycleur fou. Donc là, si j'appuie sur X directement,
Voilà. Alors, c'est plus beau sur PS4, hein, on va pas se mentir, c'est un peu plus fluide aussi. Utilise le bouton changer pour sélectionner. Et là, ça y est, on peut changer de personnage. Donc à tout moment, je peux passer hop, sur Ruben. Pour enlever le rocher. Donc là, mesdames et messieurs, c'est parti. Alors par contre, oh là là là, je suis trop chaud. Alors, là, je dois péter un rocher, on sait pas trop pourquoi, peut-être parce que c'est un morceau de météorite qui était sur la plage et du coup va gêner les badauds, les gens qui vont vouloir se mettre en place. Regardez, c'est très très bien fait. On a une espèce de petit serpentin bleu. Regardez, il va partir. Voilà. Qui nous indique par où aller. Et c'est parti. C'est tout simplement parti. Tu as activé le radar. Il doit y avoir un bouclier dans les environs. Oh. Alors, il y avait des pattes dorées dans le... Des boucliers dorés comme ça dans le l'opus précédent. Là, ici, sont aux couleurs du jeu. Super, de la série. Tu as trouvé ton premier badge. J'ai trouvé mon premier badge. Oh, les gars, let's go. Trop bien. Donc là, on va récupérer un maximum de croquettes. Alors, nous, c'est... On va le faire à 100% le jeu. C'est toutes les croquettes ou rien, bien entendu. Là, Rocky, faut que je change de perso. Pour cette mission, nous avons besoin de Rocky. Bien sûr, on essaiera. Pour le speedrun, je pense qu'on essaiera de passer plutôt sur la version... Alors, il y a une version PC. Il y a une version bien. PS4. Il y a une version Switch. Voilà. Moi, dans le coffret, je remercie encore Bandai. Vraiment, c'est très sympa de leur part. Qui m'ont envoyé les jeux sur PS4 et sur Switch. Donc, merci parce que... Parce que ça mange pas de pain. Et ils ont envoyé des jouets pour ma fille aussi. Ils lui ont envoyé également enfin c'est pas une figurine, c'est les nouveaux véhicules en fait de la Pat Patrouille. Parce que là ils sont en mode super héros. Et du coup ma fille elle les a pas vus ces épisodes et tout. Donc elle était trop contente. Donc là elle a une Stella avec son costume de super héros dans la Batmobile en fait. C'est la Stella mobile et c'est vraiment vraiment trop trop bien. Et du coup, quand elle appuie dessus, Stella, le véhicule se met à devenir rouge, elle bombarde et vraiment, elle s'amuse comme une petite folle. Donc voilà. Donc là, on va récupérer bien sûr les croquettes et sacs de croquettes. Alors, j'ai pas fait attention si les sacs de croquettes donnaient beaucoup plus de croquettes. Hein. Ça, c'est très important de pouvoir le notifier. On peut pas bouger avec le stick droit la caméra. Donc, c'est une caméra qui ne bouge pas. Je trouve ça pas plus mal pour les enfants. Je vais pas vous mentir parce que ma fille, moi, elle a que 3 ans, un peu plus de 3 ans. 3 ans et 2 mois, quoi. Et elle a du mal à se repérer dans l'espace. Alors non, dans l'espace, pas dans l'espace, l'espace autour d'elle. C'est-à-dire que là, le jeu en 3D, c'est un peu plus dur pour elle, hein, mesdames et messieurs. Donc voilà, c'est important de le savoir. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, il faut y aller, quoi. Hop, on va prendre les croquettes. Oh, le radar. J'ai presque toutes les friandises, donc là, on a ça. Mais j'ai vu le radar surtout, mon radar s'est énervé. Ok. Ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose à côté. Ok. Rocky. Mission, nous avons besoin de Rocky. Jure, on a été livré, ça y est. Merci. J'ai un McDo qui a été livré au même moment, mesdames et messieurs, ça a de la pure régalade. Ok. Est-ce que le jeu sera e-sport? Alors je sais pas encore. J'ai commencé à. Alors ça en donne. Ouais, ça en donne 3. Ça en donne 3 les petits sacs. J'ai commencé à sonder un petit peu pour voir au niveau de l'ESWC tout ce qui s'ensuit. À ce qui paraît, donc il y aura les premières compétitions sur le jeu à partir de 2021. Voilà, des compétitions de speedrun. Nous, on est en pourparler avec l'éditeur pour le prochain, bien entendu, Barrière Show. Alors là, vous voyez, hein, vous entendez. Voilà, elle était là, elle était cachée, j'en étais sûr. Waouh, bien joué, moi. Bon travail. Ah, je l'ai eu. Plus qu'un badge à trouver. Plus qu'un badge, merci, Ryder. Oh, yes. Je suis très, très content. Est-ce qu'on peut augmenter la difficulté? Alors, ça, c'est une très bonne question. À laquelle je répondrai par non. Oh non, j'ai loupé une croquette. On me dit pas que je peux pas revenir en arrière. Regardez, c'est la météorite. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Brille. Interaction super patrouille. Les interactions entre les chiens de la super patrouille déclenchent des événements spéciaux. Termine d'explorer le niveau. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur, les amis. Je peux terminer d'explorer le niveau tout de même. Parce que regardez, j'avais loupé cette. J'avais loupé cette croquette. Et j'ai dit non, ça aurait été très grave. Ah! Le radar s'affole, mesdames et messieurs. Ah, si j'avais pas compris, ça brille. Voilà, ça brille. Oh, jure. Double saut ou pas? Oh non, on peut pas double saut, donc je suppose qu'il va falloir faire le tour. Les amis, je vous propose de passer un petit peu avec Rocky qui me semble un peu plus svelte que Ruben. Ce ne sont pas les mêmes chiens également. C'est parti. Oh, les gens sont pas propres. Les gens sont pas propres. Ne jetez pas vos déchets sur la plage, les enfants. C'est très, très important. On essaie de garder une terre propre. On ne jette pas ses déchets
Tu aimerais que je vienne jeter mes déchets directement dans ta chambre? Non, 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 non. On respecte la nature et ça, on le fait avec Rocky aujourd'hui. Très, très bien, Rocky. Bravo, Rocky. Allez, on récupère toutes les petites croquettes. Il nous en reste combien? Il nous en reste... Oh, 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 encore, encore, encore. Et on a récupéré la petite pâte. J'ai trouvé tous les badges et j'ai 237 croquettes. Est-ce que j'ai toutes les croquettes? Ce compte ne me semble pas rond, mesdames et messieurs. Ce compte n'est pas rond, donc je suppose que j'ai dû oublier... Ah, mais oui. Évidemment. Évidemment, évidemment. Mais comment... Comment vais-je faire? Non. Est-ce que je peux monter? Je peux monter? Je peux pas monter? La première énigme du jeu. Aïe, 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 aïe. J'en ai raté au début? Oh non, j'en ai raté au début. Attendez, je reviens. J'espère trouver la solution à cette énigme un peu plus tard. Loin derrière. Ah, j'ai pas fait le ponton. En plus, vous savez que je suis extrêmement mauvais parce que... Oh non, sur le parasol aussi. Oh, mais c'est scandaleux. Je vous propose un gameplay de piètre qualité, mesdames et messieurs. Le ponton, ouais, je vois ce que vous voulez dire parce que je me souviens que ça m'avait trigger ma fille qui l'avait oublié. Et je disais, Anna, il y a le ponton et tout, et elle voulait pas y aller. Et là, moi-même, je l'ai oublié, c'est une catastrophe. Ruben. Hop, je deviens Ruben. Vous avez vu, ça, c'est un glitch. Ça, c'est, je viens d'utiliser un des premiers glitches du jeu qui permet tout simplement de passer d'un personnage à l'autre. Et ça gagne beaucoup de temps. On gagne énormément de temps. Ok, 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 c'est bon. Par contre, je rigole pas, hein. Aucune vanne, je sais pas si je peux récupérer celui-là. Ah, félicitations, tu as toutes les friandises. Merci Ryder, on a toutes Rocky. Les friandises. Friandises, pardon. Ryder nous l'a dit. Ok, donc là, X. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, la météorite. Alors, ce qui est dommage, si je puis donner un petit bémol quand même au jeu, on n'a pas les voix des chiens. Voilà, il n'y a pas eu de doublage. On a que Ryder. Et ça, c'est un peu dommage. Ça manque un peu d'immersion. Là, qu'est-ce qui se passe? Me dis pas que... Oh. Les nouveaux costumes! La météorite a donné des super pouvoirs aux chiens. Utilise ces pouvoirs pour rapporter la météorite à la tour de contrôle. Non! Oh, qu'est-ce qu'il fait, Ruben? Il a une super pince. Il peut tout casser. Maintiens oh là 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 là. Gauche vers le bas. Et appuie sur la touche action plusieurs fois pour aider Ruben à utiliser sa force prodigieuse. Ok. Ok. Et vous voyez que c'est un peu plus dur quand même pour les enfants, pour ma fille. Parce que là il y a plusieurs boutons. L'autre pas de patrouille, il fallait juste ramasser des croquettes. Yes. La direction. Let's du go. Stick gauche. C'est peut-être les nouveaux personnages du MCU. Et appuie sur le bouton aussi vite que possible. Alors attends, la direction stick gauche n'arrête pas de changer. Alors j'ai pas compris. Vers quoi? Ah d'accord. Bon bah ok. Ah faut que j'appuie plein de fois, c'est ça? Ok. Ok, je suis en train de le faire. Oh, je vais le faire. Bravo. Maintenant, aide Rocky à utiliser ses super outils pour soulever la météo. Oh, jure les pouvoirs de Rocky. Qu'est-ce qu'il va avoir Rocky comme pouvoir? Les super outils! Oh, mais c'est C'est comment ça s'appelle? Avec la bague. Positionne correctement merde. La pince. Merde, à pardon, du mince. Stick gauche. Appuie sur le bouton indiqué. Green Lantern! C'est Green Lantern, gros. C'est Green Lantern pour les enfants. Positionne correctement et appuie sur B une fois la pince activée. C'est un gacha! C'est un gacha! Ok. Ok. Je vais la positionner un peu. Ok. Yes. Appuie sur le bouton pour attraper la météorite. Ok, c'est pas... en vrai c'est pas évident pour les gosses, je déconne pas. Oh, j'ai loupé. J'y arrive pas. Ouais. Oh, j'ai pas fait un perfect les gars, j'ai loupé. C'est Pat Lant et c'est Rocky Lanterne. Oh là 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 là. Putain, mais en tout cas les nouveaux pouvoirs de Rocky, je découvre avec vous, hein. C'est pas une vanne. Moi je connais... Je connais bien Pat Patrouille. Oh là là, il flex un peu Rocky, il a la classe. Et franchement, les pouvoirs est tout stylé. Alors qu'est-ce qu'on a eu? Tu as trouvé tous les badges. On a eu le crabe, Super Ruben et la mouette. Super. Bah j'accepte. J'accepte de suite. On a fait à 100%.
la config qu'il faut. Moi, je te conseille d'attendre les prochaines 3090 pour pouvoir faire tourner 100%, parce que tu peux voir, moi, je suis pas sur une config opti, j'ai un peu de ralentissement, quoi. Mais c'est pas si évident. Hein, c'est pas si évident. Ok, donc première mission réussie pour la patte patrouille découverte. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des menus chargement pas trop longs. En vrai, je vais être très honnête, je pense que sur Switch, le jeu est vraiment plus lent et lag un peu. En vrai. Pour avoir testé sur PS4 avec ma fille, c'était plus rapide. Je pense que ça vient de la Switch. Oh, faut que j'atteigne 7250 pour 100%. On a des mini-jeux. Non, le Pat Boogie, la danse des chiens. Mini-jeux. Oh oui, je voulais faire un mini-jeu. Mini-jeu, s'il te plaît. On a verrouillé. Oh, c'est bien, par contre, ça, il n'y avait pas dans l'entier. Il n'y avait pas de mini-jeu. La danse des chiens. On va faire la danse des chiens un peu ou pas? Oh, vas-y, let's go. La Switch a tendance à ruiner un peu les jeux. Ouais, je sais. Mais moi, je voulais faire sur Switch parce que j'ai la Switch qui est branchée directement à mon setup. Alors que ma PS4 est en bas dans le salon. Et puis moi, j'ai une vieille PS4. Hein, c'est les premières. Par contre, c'est le Pat Boogie. Alors, pour ceux qui connaissent la licence Pat Patrouille, il y a un moment où les chiens jouent à un jeu qui s'apparente à du DDR. Et du coup, ils dansent, machin. Et la musique, ça fait. C'est le Pat Boogie. C'est le Je connais par cœur, frère. Aide-moi. Sauve-moi de là. Par pitié. Il y a plein d'épisodes comme ça du Pat Boogie. Sélectionne ton chien. Oh là là, on peut choisir son perso. En vrai, ah, je vais pas vous mentir que moi, je suis Chase. Chase. Moi, je pars sur Chase. C'est le Papa Boogie. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Show. Ah, c'est un anglais, par contre. Deux, ah bon, on te dit même pas ce que tu dois faire. Go. Ok. Ah, ça la y est. Danse des chiens. Appuie B. Appuie sur les B, boutons indiqués A, ou machin au bon moment pour réaliser le mouvement demandé. Ça me stresse parce que le A c'est à droite là sur ces manettes. Ok. Ok. Let's go. Oh là là. Le jeu est pas évident. Hein. Ok, gauche. Gauche. Putain, alors ça, multijoueur en ligne, ça doit être violent ça. Ok. Ça va pour l'instant, je fais un sans faute. Oh non. Ah, ok. 28 secondes, il reste. Hein. Ok. 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 Droite. Oh, ça se complique. Ça se complique un peu. Ça, spoiler, ma fille n'y arrive absolument pas. 3 ans, elle n'y arrive pas. Trop dur. Trop dur pour elle de bien assimiler tous les boutons déjà. De bien comprendre comment ça fonctionne. 5 secondes, le petit dernier. Ah, oh, j'ai pas eu le temps de faire l'autre. Mini-jeu terminé. Épatant, tu as établi un nouveau record. Non. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, mes points. Le pat boogie. 600 points. Combien j'ai de croquettes? Oh, peut-être. Alors peut-être. Ouais. Le nouveau record. Let's go. Ah yes. Les gars, on a réussi le premier mini-jeu. On l'a réussi à 100%. Bravo. Oh là 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 là. Mais c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf les gars. C'est trop trop bien. Je suis trop content les gars. Pouah. Ok, 100%. 100% pour le premier mini-jeu. Ça fait plaisir. On est là, on est là. The French Monster. Bon, premier mini-jeu, pat boogie, ça s'est bien passé. Il y avait quoi le son, vous m'avez dit, le son était peut-être pas assez fort. Je peux vous monter un peu le son encore, hein, bien sûr. Vous inquiétez pas, je vais vous monter le son. Voilà, je vous monte le son. Quand je suis dégoûté parce que j'ai mon McDo, j'ai envie de le manger. En même temps, on est en plein let's play, donc c'est chaud, quoi. Bon, quand même un peu, vous me permettez, hein. Vous permettez, les amis qui regarderont ce let's play Pat Patrouille, je vais manger un croc. Un petit croc, hein, sauté. Mini-jeu. Bonus à collectionner. Personnage. Ah, d'accord. On peut en sélectionner. Oh là là là, c'est pas mal en vrai. Ça, pour les gamins, c'est vraiment bien. 500 sur 6600, d'accord, c'est plus tu as. Ah, faut tout finir à 100%. Oh, c'est bien foutu. Les lieux. Lieux, j'en ai ou pas? J'en ai pas. Ah, j'ai lui. Il faut
Faut monter à 3000, ok. Animaux. Des animaux. J'ai le crabe et les mouettes. Ok, ça marche. Pas mal. Ouais, attends que c'est chaud, hein. Lieu. Je vous prie de, je vous prie de m'excuser. Bonus hein, mais... à collectionner. J'ai pas mangé de la journée, donc je commence à avoir faim. Ok, prochaine mission. Mission, mission principale. Sans que sur Switch quand même la c'est mal météorite. Optimisé. La station de Jake. La station de Jake. Alors Jake, pour ceux qui ne connaissent pas, il est doublé par l'excellent Donald Renew normalement. Et il m'a dit qu'il n'avait rien enregistré pour ce jeu, donc je suis un peu déçu. Je peux rester appuyé sur B pour passer la petite intro. On la connaît. Moi, ce qui nous intéresse, c'est le brief. Bonjour alors. À tous. Merci d'être venu si vite. Bah pas de soucis, Ryder. Jake se préparait à accueillir les vacanciers dans sa station lorsqu'une énorme tempête oh s'est non, levée. Oh non, la tempête! Maintenant, la remontée mécanique est cassée. Oh aide Jake! À trouver toutes les pièces pour la réparer. Utilise le marteau-piqueur de Ruben pour casser les rochers qui sont tombés pendant la tempête. Alors on a encore Ruben. Répare la remontée mécanique avec les outils de Rocky. Encore que les... Parfait! La panne patrouille part en mission. Alors on a encore Ruben et Rocky du coup. Oh là 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 là, Ruben and Rocky! Mais là, ils ont leur costume de super-héros normalement. C'est parti. Chargement. Alors, je vois un avis qui est très intéressant dans le chat qui dit: est-ce que c'est si dur que ça pour les enfants? Mario Kart à l'époque, c'était pas si dur dans mon souvenir. Oui, mais à quel âge tu joues à Mario Kart? Est-ce que tu joues à Mario Kart à 3 ans? Et tu t'en souviens? Déjà, t'es chaud. Est-ce que tu jouais à Mario Kart quand t'avais... Aide Everest à enlever la neige 6, de 7, la route 8 ans. Pour que les autres puissent accéder à la station de Jake. C'est ça. Oh. Enlève autant de neige que tu peux. Évite les obstacles qui sont sur la route. Ok. On joue avec Everest. Oh. Mais jure, ça, c'est un nouvel changer élément du gameplay. Piste. Ouais, voilà, 5-6 ans, c'est tu vois, utilise c'est déjà plus grand. Utilise le stick gauche pour déplacer Everest et changer de fil. Très bien, on a toutes les infos. Mais je tiens à dire quand même, il y a un vrai gap entre avoir 2 ans et 3 ans déjà. 3 et 4 ans, 4 et 5 ans. Quand t'es gamin, c'est un mec qui a 22 ans et un autre qui a 23 ans. Il n'y a pas de différence, ok. Mais pour les enfants, cet âge-là, les mois même, ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Donc je t'avoue que un enfant de 6 ans qui comprend parfaitement le jeu, ça ne me choque pas. Un enfant de 3 ans et 2 mois, tu vois, enfin un peu plus de 3 ans, c'est plus dur quoi, c'est plus dur. On verra quand elle aura 4 ans. Donc voilà quoi. On est parti. Ça, enlève la neige. Pour vous donner une info sur ce mode là, ma fille, elle fonçait sur les rochers et sur les troncs d'arbres. Donc voilà, je lui ai dit, il faut aller sur la neige. Évite les obstacles. Donc pour vous donner une idée, c'est parti. Par contre, on se concentre un peu. Hors de question que je loupe un truc. Si je loupe un truc, je vais pas dire parce que c'est pour les enfants ce gameplay. Je suis une mauvaise personne. Non ! Réglage. Non 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 non. Réglage. Non 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 non. Oh non, mais on va recommencer. Les gars, j'ai un délai, ok. J'ai un délai. Vas-y, je vais à droite. Je recommence. C'est hors de question, gros. Non, c'est hors de question. Vas-y, je. Vas-y, ça rend ouf. Oh la honte. Je suis la honte du gaming. La honte du gaming. J'ai loupé sur pas de patrouille des croquettes. Oh non, 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 mesdames et messieurs. Et les enfants, vous voyez ce que je viens de faire? J'ai été nul, j'ai été mauvais. Moi qui dois vous proposer le meilleur gameplay possible pour la pas de patrouille. Ah, ici j'ai pas été très bon. Donc là c'est très simple. Hop, je repasse à droite. Les règles du jeu sont très simples, les enfants. Il faut tout simplement enlever toute la neige pour que les chiens de la patte patrouille puissent venir aider Jake. Attends, est-ce que si je reste appuyé... Attends. J'ai envie de savoir si je reste appuyé, mais je peux pas savoir. Il y a des obstacles, je joue ma vie. Je suis vraiment en train de jouer ma vie. Ah voilà, si je reste appuyé, c'est bon. Eh, c'est pas si évident. C'est non mais c'est non mais attends. Ah, tu vois, apparemment il fait froid. OK les amis. Mini jeu terminé. Je peux vous dire c'est un mini jeu, c'était un mini jeu. Je vais le recommencer, OK. Mm-hmm.
quand je vous dis que c'est compétitif le jeu. Aide Everest à enlever la neige de la route pour que les autres puissent accéder à la station de Jake. Ok, on se concentre. Enlève autant de neige que tu peux. Changer de pied. C'est des parcours différents, quoi. Ok. Je suis en tryhard, Et en plus, je veux le faire bien. Moi, je vais enlever toute la neige pour que la patte patrouille elle puisse ne pas avoir de soucis, si vous voulez, sur la route, quoi. Parce que je pourrais aller récupérer que les croquettes, mais je vais pas faire. Moi, je suis un vrai joueur. Non! Oh, j'ai paniqué. Allez, par contre, pas me chercher des suites, mais j'ai... N'oubliez pas que j'ai un petit délai, quoi. Comment il va? Si plus me permettre. On va le faire, mesdames et messieurs! Ok, ok, je reprends droite, Ok. Pour l'instant, tout se passe bien, mesdames et messieurs. Oh. Quoi? Ça va, ça va. J'ai pris un petit choc, Y'a pas de constat, Ok. Ah, dis-moi que je vais tout récupérer, s'il te plaît. 223. J'ai regardé. Attends, quoi? J'ai pas tout. Mini-jeu. J'ai pas tout. Non, c'est impossible. Pas mal. Ah non, c'est bon. Non, c'est sur 238. Oh, j'ai eu trop peur, gros. Non, c'est bon. J'ai tout eu. C'est sur 238, c'est marqué. Ah ouais. Non, en vrai, j'ai vraiment eu peur. C'est bon, accepté. Reprenons la mission. Ah, c'était pour le jeu. Parce que je me disais, attends, là, pour l'instant, j'avais tout récupéré. Le chemin, je pense, ça change rien. J'ai dit putain. Oh non. Pardon, ne dites pas ça. Non, mais je pense que c'était 250 tout à l'heure, c'était pour les vrais niveaux. On est d'accord. Mais vous voulez dire que quand j'ai joué, c'était 250 aussi? Non, me dis pas ça, s'il te plaît. Ça doit dépendre de l'essai, peut-être. Ouais. Bon, c'est pas grave, nous, on est en mission. Donc là, elle nous a tout déblayé. On a pu ramener Ruben et Rocky. Alors, qu'est-ce qui se passe, les amis? La tempête de neige a cassé le téléphérique. Oh non. Jake a besoin de ton aide pour préparer l'ouverture de la station. La remontée mécanique est cassée. L'a bien cassée. Trouve et collectionne les matériaux pour la réparer. Allons-y. Ok, ça marche. Cherche une poutre en métal, plusieurs grosses vis et des planches de bois pour réparer la remontée mécanique. Mais attends, mais c'est trop dur. Mais bravo. Le jeu est réellement plus dur que... Épatant. Ah oui, d'accord. Tu as un sac de friandises. Attends. Dans chaque... Cherche une poutre en métal pour réparer la remontée mécanique. Il doit y en avoir une tout près. Par contre, Ryder, des fois, j'ai envie de... Je veux pas le dire, mais... Ryder, respecte-moi et laisse-moi jouer un peu, s'il te plaît. Arrête de me parler, là, tout le temps. Oh, Ryder, dis donc. Oh, jure. Rocky! Qu'est-ce qui se passe? Aide Rocky à fabriquer une rampe pour attraper ses poutres. Ça marche. Rocky peut fabriquer des rampes. Fabriquer. D'accord. Ça marche. Bien joué, Rocky! Oh, le vilain gardement. Ryder, ouais. Une rampe. Oh, c'est permissif, je m'étais un peu loupé. C'est permissif pour les enfants. Ok, yes, let's go. Deuxième rampe. Je crois qu'il faudra peut-être... Merde. Non, mince. C'est dur, hein. C'est dur de pas dire de vilain mot. Très bien. En Rocky, moi, je l'embauche tous les jours.
tous les jours. Mais en vrai, c'est dur ça en vrai pour les enfants, mais je suis d'accord. Alors dur, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est pas évident plutôt, je dirais. Moi, pour ma fille, je sais que ça, c'est... Fantastique. Tu as trouvé les poutres. Fantastique, les amis, on a trouvé les poutres. Alors là, regardez, mon radar, mon radar s'excite un peu. Voilà. Je le savais. Bon, faut la prendre par contre, parce que... Non, mais... Mais... Ruben. Est-ce un gag? Est-ce un gag ce qu'il se passe là? Ah. Demande à tes parents, ils pourront t'aider. Peut-être que je dois faire des trucs. Peut-être que je dois faire des choses avant de les récupérer. Peut-être. Peut-être. Mais, ou alors peut-être qu'il faut des personnages? Non. Ça aurait été indiqué, il me semble. Rocky! Mais Rocky, t'endors pas, mon frère, cousin, on y va. Là, on peut pas sortir. Ok, je check juste un peu. Hein, répare la remontée mécanique avec des planches de bois. Ouais, bien pour sûr. Les trouver, regarde autour de toi. J'aime bien les conseils. Pour la trouver, bah, juste regarde autour de toi. Génial! Tu te débrouilles très bien. Oh, merci, Ryder. Ah! Oh, j'ai trouvé les planches! Super. Formidable. Formidable. Tu as trouvé les planches de bois. Réparons la remontée mécanique. Ok. Bah moi je veux bien la réparer la montée mécanique. Alors ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de gestion de caméra. Je sais pas si tu as remarqué mais la caméra bouge toute seule. Ça pour les gosses c'est vraiment bien. Ça c'est très cool. Par contre non mais je suis vraiment je suis vraiment abasourdi. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas récupérer la petite médaille. Est-ce un bug? Alors là, il faut passer de l'autre côté. Ok, foie, bien vu. On va essayer. Hein, mais... Merci. Excusez-moi, je regardais le chat. Là, je dirais que j'ai envie de réessayer. J'ai envie d'y croire. Ouais, bah oui. Ah non, pardon. Alors peut-être que c'est avec un autre perso. Ça c'est bizarre tout de même. Ruben. Dans cette mission, nous avons besoin de Ruben. Oui, oui, il est là. Bonjour, c'est Ruben. Allez, Ruben. Oh non, la tempête a fait tomber un rocher sur le chemin. Aide Ruben. Ok, comment foreuse. On fait? Foreuse. Déplace le stick de gauche pour placer la foreuse. Ensuite, appuie sur le bouton et maintiens. Et alors? Et du coup, ah et ensuite ah ça glisse, d'accord, bien vu. Il faut juste appuyer sur B après. Waouh, Ruben. Ah mais encore. La puissance. En fait je non mais je m'embêtais pour juste rester appuyé. Hein. J'ai voulu faire l'intéressant. Allez, il fait plus rien là. Ruben, voilà, s'il te plaît. S'il te plaît, Ruben. Enfin, vous bossez là. Bon travail. Yeah. J'ai trop content, Mercy Rider. Ok. Donc là, on va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Oh, mon sens de l'araignée s'affole. Il semblerait qu'une patte soit disponible dans les environs, j'ai l'impression. On va d'abord récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Ruben, j'ai besoin de toi pour détruire ce rocher, s'il te plaît, ouais. Attends, est-ce qu'il serait à l'intérieur? Non, ce ne sont que des croquettes. Mais pas n'importe quelle croquette. Les croquettes jaunes de Ribbon. Comment il va? Waouh, tu as presque toutes les friandises. Bah super, non. Super, tu as trouvé ton premier badge. Bah non, tu en as trouvé un autre. Attends. Rocky. Mais du coup, je demande le remboursement du jeu intégral. Que je n'ai pas payé. Attends, mais ça n'a pas de sens. Donc c'est bien un bug. Oh, est-ce que ça va être patch? Tu as besoin de grosses vis pour réparer la remontée mécanique. Non, j'espère que c'est juste un tout petit bug comme ça et que si je recharge le niveau, il n'y a pas ce problème. Parce que en vrai, si t'as pas toutes les pattes, t'as pas tous les persos et du coup ta collection ne sera jamais entière. Et ça, c'est catastrophique.
Là, je l'espère. Bah, c'est aussi pour ça que je joue aujourd'hui. Je vais pas vous mentir, je suis un des plus grands bêta testeurs. Donc, si je permets aujourd'hui de donner à Namco, à Bandai, un petit peu toutes les informations. J'ai les vis. Excellent travail. Tu vas pouvoir réparer la remontée mécanique. C'est parti pour une super opération. Disons que moi aussi, je suis un peu anéanti. Je vais pas tu vous mentir. Tu as trouvé tous les matériaux. Il est temps de réparer la remontée mécanique. Eh bien, nous allons faire ça. Il y a aucun souci. Par contre, c'est la première fois que je vois quand même des sacs de croquettes qui volent. Hein. C'est assez impressionnant. Oh, Rocky, on va avoir besoin de toi. Mon sens de l'araignée. Rocky. Enfin, mon sens du chien. Et Rocky, arrêtez d'être malpropre comme ça, les amis. Oh, jetez dans les poubelles. Bien joué, Rocky. Bon travail. Ouais, mais... Plus qu'un badge à trouver. Alors, oui, plus qu'un badge, en effet. Mais pas n'importe quel badge. Le badge qu'on a trouvé au début. Et dont nous passons allègrement à travers. Alors, les amis. Ruben, pour cette mission, nous avons besoin de Ruben. Bien sûr. Attends, ça veut dire qu'il m'en manque ou pas? 4. Il m'en manque 4. Il m'en manque 4, on peut pas finir, il m'en manque 4. De toute façon. Oh là, j'ai loupé des... Ai-je loupé des friandises? Me serais-je trop pressé? Oula. La caméra en full insane. Ok. Oui. S'il te plaît. Enfin, ça fait mal. Hein. Ça fait mal à mon petit cœur. Ça fait mal à mon petit cœur, mesdames et messieurs. Aïe. Trop le seum. Non, on peut pas l'avoir. Bon, par contre, j'ai dû forcément louper des friandises de ce côté-là. Là-bas, j'ai tout eu, je crois. Là-haut, y'a rien. Là, y'a rien. Ça, c'est là où j'étais tout à l'heure. Non. Y'a vraiment des gens qui demandent si c'est une OP. Enfin, honnêtement, j'aimerais bien. Mais non. Non, ce n'est pas une OP. C'est une donation goal. Là. Bah. Dans les troncs d'arbres. Là, en fait, si je fais ça, là, j'ai fini. Je vais finir. Donc, il faut vraiment pas faire ça. Là, tu vois, de toute façon, on voit que le petit ruban bleu, là, enfin, le petit serpent bleu, il me dit de repartir en arrière. Enfin, les amis, on est en train de bloquer sur un jeu. 3 plus, hein, quand même. No backseat, please. Non, c'est chaud. Ok, je vais suivre ça. Ok, il me dit d'aller là. Je le suis. Il me dit d'aller là. Rocky, pour cette mission, nous avons besoin de Rocky. Félicitations, tu as toutes les friandises. Mais attends, c'est quoi ça? Si je m'en vais, faut finir là-bas d'abord. Faut quand même que je finisse là-bas. Ouais. C'était celle de Ruben, ouais. De Rocky. Aïe, je l'avais loupé, les amis, je l'avais loupé. J'avais pas eu l'œil. Après, je suis pas... Pour ma défense, on est passé vite. J'avais pas tout vu. C'est bon, on est à 100%, les amis. J'ai cru que ça avait disparu, j'allais péter un plomb. Oh non! La tempête encore a fait ton... Ah, j'aurais carrément pu terminer, en fait, de suite en partant. Mais non, mais je vais casser pour les habitants de la Grande Vallée, mesdames et messieurs. Allez, Ruben. Tu me détruis tout ça. Tu me régales. Pop. Ruben, mais quelle machine, Ruben. Je l'adore, Ruben. Après, c'est pas mon chien préféré. Je pense que Chase. Bon travail! Chase, il régale pas mal. Et il y a un nouveau chien! Je vous ai pas dit! Il y a un nouveau chien maintenant, mais il est pas dans. Il est pas dans les jeux. C'est Rex. C'est un chien qui vit dans un royaume. Dans un endroit où il y a des dinosaures. Incompréhensible, mais oui. Ok. Allez, répare-moi ça, Ruben!
Non, il faut appuyer plusieurs fois. Je vais tester pour voir si je reste appuyé. Ça, c'est grâce à ce super pouvoir. Ruben! Attends, il va le redresser comment, là? Parce que... Excusez-moi, il y a un angle un peu bizarre, là. Ok. X. Ah, plusieurs fois aussi, ouais. Ok. B. Ok. A. Let's go, Ruben! Génial! Ah ouais, oui! Pedro qui a réparé la volonté mécanique. Elle est réparée comme ça, d'accord. Bah, écoutez. On va faire... on va dire que oui, hein. Répare la remontée mécanique. Suis les cons. Encore ? Trop fort. Bravo. Green Lantern Dog. Mais c'est vraiment le chien de Green Lantern. Ça mérite bien une récompense. C'est quoi la récompense ? Mission terminée. La station de Jake est prête. L'arnaque totale. La récompense, c'est bah vous avez le droit de manger. On vous nourrit que si vous faites ça. Par contre, je suis abattu. La station de Jake est super rocky. Je suis abattu du bug. Mais soit, on va l'accepter, on va pas la répéter, hein. Ah non, les ingénieurs sur le chat qui sont en mode... Mais oui, c'est pour les enfants, bien sûr, évidemment, on va pas non plus déconner, hein. Donc tout se passe bien, tout se passe bien. Très bien vu ça, la petite patte patrouille. Restart, ouais, 2 sur 3. Je vais pas le restart, j'ai envie de continuer un peu. J'ai envie de continuer un petit peu. Ouais, je suis un peu un acteur de pub. C'est vrai que en ce moment sur YouTube, là, je tombe beaucoup sur des pubs... Le mec, je sais pas à quel jeu il joue, il fait « Oh, mais là, ça pourrait être incroyable si je faisais ça, mais c'est juste malade !» Je me dis « Bah attends, bizarre un peu l'ambiance du mec. » Je veux dire, c'est une pub, calme-toi. Déverrouiller le festin de Monsieur Porter. Le véhicule de Chase. Le véhicule de Marcus. Mini-jeu. Alors attends, on en a du mini-jeu. Le fest, l'aventure enneigée d'Everest. Attends, je vais juste checker. Oh non, ça fait un chargement. Je voulais juste checker si j'avais été à 100%. Non, pas celle de JDG. JDG, à chaque fois, j'ai pas le son, mais c'est des AFK Arena, les trucs comme ça, là. Oh là là. Non, mais même celle de JDG, elle est pas insane, en vrai. Ils sont là, oh machin. C'est toujours peu plus, quoi. Ils en peuvent plus. Mais c'est comme n'importe quelle pub, à force d'entendre. Juste envie de tout casser, quoi. Ah. Aide Everest à enlever la neige de la route pour que les autres puissent accéder à la station. Vous savez quoi, on va vite fait checker côté enlève gauche. Autant... 3, 2, 1, c'est parti. Go! Oui, ça marche, ça marche. Ah, mais en fait, la neige, elle donne aussi. C'est pour ça que c'est important de prendre la neige. Ok. Oh, pas évident. Oh, pas évident du tout. Ok, je vais aller à gauche. Je vais aller à gauche pour changer. Oh. Attends, mais c'est des pièges de malade. Non, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Pour un enfant, c'est super dur. Bien évidemment, extrêmement difficile. Ok. Parce que là, si... Ouais, tu vois, s'il y avait une dinguerie à droite, avec l'angle, je pouvais pas le voir. Ok. Je vais le faire, hein. Je vais peut-être... Par contre, si c'est vraiment 238... Oh, j'ai peut-être été un peu trop tôt, mais... J'espère que c'est 238. Non, j'ai vraiment le seul. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux, le jeu est trop dur. Mais c'est vraiment trop difficile. Oh non, c'est trop. Ah non, et en plus c'est vraiment 250. Et je fais 249. Non. Non. Oh non, c'est trop. Je fais 249. Mini-jeu terminé. Pas mal. C'est bien 250. Pas mal, il me dit. Non, les amis, j'en fais mon affaire. Y'a encore des trucs à manger là ?
c'était tout. Oh, jure, des nuggets. Ah non, c'est mon stibio. Ouais, c'est la boîte de nuggets. Aide Everest à enlever la neige de la route pour que les autres puissent accéder à la station de Jake. Écoutez-moi bien, si je l'ai pas sur celui-là, je suis un nul. Oh, il a dit nul. Ah, est-ce que j'ai vraiment besoin de les récupérer ceux-là? Oh non, j'ai pas besoin. Tu crois que j'ai besoin ou j'ai pas besoin? Ah, je crois que j'ai pas besoin. Pour le beau jeu, je vais le faire. C'est impossible. Vous avez vu? Non, on peut pas tout avoir. Elle est là, la mienne. Voilà, c'est bon. C'est impossible. C'était fait exprès. Vous avez vu que là, c'était impossible. Ah, d'accord. Il faut le faire plusieurs fois et c'est pas scripté. C'est des endroits différents pour les croquettes. Ok. Je me disais, attends, je sais. Je suis pas si nul que ça quand même dans ma vie. C'est bon, vas-y, j'ai les 250. Ouah, c'est bon aussi. C'est pour ça que c'était hyper dur. Là, vous avez bien vu que là, c'était humainement impossible. Hein. Il y en avait des deux côtés, donc... Hop, alors, vous avez bien vu. Hein. No script. Et vous voyez, elle est impossible à avoir. Elle est impossible. C'est la même que j'ai loupée tout à l'heure. Elle est impossible à avoir. Je le dis. Et pourtant, j'en ai des records sur ce jeu. Là, je vous le dis. Allez, c'est bon. C'est bon, on l'arrête. Ouais, non, il est dur. Il est vraiment dur. C'est bon, 250, on termine. Donc voilà, les enfants. Sachez que si vous ne le réussissez pas du premier coup, c'est tout à fait normal. Même un joueur très expérimenté comme moi ne l'a pas réussi du premier coup. C'est fait exprès par le jeu pour vous donner envie de rejouer. Voilà. Pourtant tu tryhard. Non, par contre je tryhard pas. Je peux pas te laisser dire ça, je suis vraiment en tranquille. Enfin, au calme. Merci, non mais y a pas de souci. Donc je donne les petites infos. Allez, on se refait un niveau. On se refait un petit niveau, les amis. Après, il y a le mini-jeu de Monsieur Porter. Moi, je vous propose, on fait le mini-jeu de Monsieur Porter. On se refait un niveau. Et ensuite, je vous refais un giveaway. Et ça, pendant le giveaway, je peux manger en même temps. Comme ça, on est très bien. Alors, ça, on aura fait une bonne partie des jeux. Corde à sauter et Super Chase. Ruben l'ingénieur. Mini-jeu. Alors, mini-jeu. Il y a un mec ingénieur dans le chat, je pense pas, non. Le festin de Monsieur Porter. Ok, festin de Monsieur Porter. Niveau 1. Ah, il y a des niveaux en plus. Oh là 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 là. Imagine un Twitch Rivals sur Pat Patrouille. Oh là 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 là, ce serait ouf. Non, il n'y a pas d'ingénieur dans le chat là, calmez-vous. D'ailleurs, en parlant d'ingénieur, est-ce que j'enverrai pas un petit message à côté? Aucun rapport, mais voilà. On va dire 19h, 20h. 19h, 20h. Ouais, je vais marquer ça, 19h, 20h. Pour le Paco Pacap, Zidane. Mesdames et messieurs. Très bien. C'est long, non, un peu? Comment il va? Ok. Merci pour le sub. Merci à tous les gens qui sub et resub, bien entendu, depuis tout à l'heure. C'est juste extraordinaire. Allez, pour faire honneur à ma fille, je vais jouer Stella. Stella! Son chien préféré. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Porter, 3, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire quoi? Go! Le festin de Monsieur Porter. Utilise le stick de gauche pour déplacer ton chien et appuie sur le bouton sauter pour sauter. Ah, pour attraper des fruits. N'oublie pas. Ok, ça a l'air dur. Ok. Est-ce que je vais tout... Ah, il en faut 30.
Ok. C'est pas évident. Oh, monsieur Porter. Ok. Allez, c'était là, ma soeur. Ok, 23-30. Ok. Jure. Wow. Yes. Oh, est-ce que j'ai fait un bon score? Mini-jeu terminé. Épatant. Tu as établi un nouveau record. Non. Alors peut-être. Peut-être. Let's go. Wouh. Chaud. Ah, c'était chaud. C'était chaud, mais je l'ai fait. First try en plus, hein, il était pas évident, les gars. Merci les gars. Je vous avoue que par contre, le petit défaut, c'est qu'il y a vraiment des chargements entre tous les jeux. Entre tous les jeux, il y a des chargements et ça, c'est assez catastrophique pour le coup. Alors que sur l'ancien Pat Patrouille, au moins, il n'y avait pas autant de chargements, je vais pas vous mentir. Là, dès que tu fais un truc, t'as un chargement. Chargement, c'est un peu compliqué. Mais je pense que je vais speedrun un peu le jeu. Genre 100%. Ça serait ouf. Le festin de Monsieur Porter, on a un deuxième niveau, je crois. On va aller faire un vrai niveau. Je suis abasourdi, les amis. À cause du bug, on n'a pas eu tout le monde. Quoi. Là, vous voyez, c'est juste dans le menu. Je reviens au menu principal, juste. Mission principale. Ça, c'est problématique. La météorite, la station trouvée, Galinetta. Galinetta, non, Galinetta était perdue. Alors, pour ceux qui savent pas pour le lore, Galinetta, la Grande Vallée, c'est le nom de la ville où se passent les aventures de la Pat Patrouille. La mer, je jure. Ceux qui savent pas, c'est hyper important. C'est hyper Bonjour important. À tous. Merci d'être venus si vite. Madame Goodway nous a demandé de retrouver Galinetta. Madame Goodway? Non, elle est où, Galinetta? Mais Galinetta s'est cachée et elle est introuvable. Pauvre Madame Goodway, aide-la à retrouver Galinetta, puis emmène-la prendre un bon bain. Utilise l'odorat incroyable de Chase pour retrouver la trace de Galinetta. Mon préféré. Alors Galinetta, pour l'aider, peut-être il va prendre, je dirais, Marcus, si jamais elle est coincée dans les airs ou tout. Utilise les canons à eau de Marcus pour arroser les fleurs, afin que leur odeur ne perturbe pas l'odorat de Chase. Ok, d'accord, excuse-moi, c'était pas pour les mêmes raisons, mais ok, on est là. Parfait, la Pat Patrouille part en mission. Allez, on part en mission. Let's go, Ryder. Regardez-moi ça. Hop là, la tour de contrôle. Il se casse la figure. Chase. Il fait tout le temps des galipettes. Ah, c'est le petit drôle, c'est le petit maladroit de la bande. Marcus. Ma fille, elle a un chien préféré? Oui, elle a Stella. Et d'ailleurs, Bandai, quand ils m'ont envoyé le jeu, ils ont fait une petite box avec des petits jouets, des petits goodies, avec une petite peluche Chase et aussi une figurine, un jouet Stella. Et du coup, elle arrête pas de jouer avec, elle kiffe de ouf. C'est vraiment trop bien, quoi. Par contre, c'est vrai que le jeu est extrêmement fidèle à l'anime. Il n'y a pas de... Bon, tu me diras, c'est pas compliqué en soi, mais... Ça respecte vraiment, c'est des épisodes entre guillemets de l'anime, hein, parce que Pat Patrouille, c'est quoi? C'est Ryder, il est dans sa tour, ça commence toujours en mode ils sont en train de jouer, ils font quelque chose, ils sont occupés, et là il y a un petit truc qui se passe, et vite ils appellent Pat Patrouille à la rescousse, des gens qui sont coincés, des animaux qui se sont enfuis, mais des fois c'est des trucs tout bêtes, hein, besoin d'aide pour son jardin, et voilà, c'est ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Tu vas vraiment le finir, bien sûr, on le finira pas aujourd'hui, bien sûr, mais. Là, on se fait trois épisodes et des mini-jeux, c'est excellent. J'ai envie d'en apprendre plus. Tu es arrivé. Galinetta joue à cache-cache et Madame Goodway ne la trouve pas. Cherche Galinetta. Galinetta ne devrait pas être très loin. Sers-toi du puissant odorat de Chase pour suivre sa trace. D'accord, oui. Faisons comme ça. Alors, comment je me sers de son puissant odorat? Oh... Son puissant odorat. Bravo. Essaie de récolter autant de friandises que tu peux. D'accord, je vais faire ça. Attends. Et Marcus, je vais faire avec Marcus. Tu as un sac de friandises. Dans chaque sac, il y a trois friandises. Chase. Pour cette mission, alors, nous avons besoin de Chase. Oui, qu'est-ce que c'est? Il va sentir? Ah non. Ok, très bien. Il va aller chercher des petites croquettes. Aucun souci. Oh, mon sens de l'araignée s'affole. Il y a une patte. Alors, je suppose que je vais devoir faire ça. Oh, ça se fait automatiquement. Non. Oh, pitié. Marcus.
Non, génial. Ça peut pas être un bug. Ça peut pas être un bug. Moi, je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès. C'est pas possible. Pourquoi on peut pas l'avoir? Je comprends pas. Mais comment ça, je la touchais pas? Enfin, tout de même. Non, messieurs, dames. Je suis pas un joueur expérimenté, mais là, je suis bien dessus, quoi. Hein? On va pas exagérer, quand même. On passe à travers, si je puis me permettre. Bon, est-ce normal? Est-ce un gag? J'en ai bien l'impression, c'est pas normal. Alors, soit c'est normal. Oh non! Et c'est pas expliqué. L'odeur de ces tulipes empêche Chase de continuer. Aide Marcus à arroser les fleurs avec son canon à eau. Eh bien, on va faire ça, mais d'abord, je vais récupérer tout ce que j'arrive. Soit c'est un bug inhérent à la Switch. Et là, auquel cas, c'est une catastrophe. Ah, c'est diabolique, hein. Il y aura un épisode du pensionnat ce soir? Oui, on va enchaîner après. Vous allez voir. Alors. Ok. Pour cette mission, en vrai, nous avons besoin de Marcus. Non, à part ça, pour les enfants, le jeu est très bien. Pour les gosses, là, 4-5 ans, tu vis ta meilleure vie, hein. T'as tes personnages favoris, wow, tu dois faire des missions, c'est toi qui dois le faire. Tu dois récupérer les friandises. Attends, dis donc, oh, on est où là? Incroyable. Dis-moi que c'est là gelé. Ouais. Super, tu as trouvé ton premier badge. Ok. Alors là, je dois mettre un petit coup et enlever, bien entendu, l'odeur pour que Chase puisse l'odeur de bien ses sentir. Tulipes empêche Chase de continuer ses recherches. Canon à eau. Ok. Je fais rien, hein. On n'a pas besoin de bouger, quoi. J'arrose. Ah, oh, je fais un petit kiff, quoi. Un peu à droite, un peu à gauche, voilà, c'est bon. Génial. Ouh. L'odeur des tulipes est partie. Continue à chercher. Bon, on peut trouver. Galinetta, mesdames et messieurs. Il est en train de renifler, le man. Galinetta, où es-tu, Galinetta? Quand même, il en faut 250, hein, des croquettes. Hein. Pour les enfants, c'est pas si évident. Ok. Let's go! Bien joué, ça. Ah, t'as vu? T'as vu? Ça, c'est un bon jeu. Regardez ce qu'ils ont fait. Hop, je suis caché. Ils ont mis des ombres. Trop malin. Trop malin, ça. Il y a très peu de jeux vidéo qui pensent à le faire, ce genre de choses. Et là directement, la patte patrouille, bon, on sent que c'est des gens impliqués, quoi, derrière. C'est pas n'importe quel chien. C'est le chien de la patte patrouille. Encore une... Alors, j'ai vu qu'elle a été classée dans la première que j'ai eue. Pour cette mission, nous avons besoin de Marcus. Ouais, je sais qu'on a besoin de Marcus, mon ami Ryder, mais attends. On va chercher... Il y a quelque chose. Elle est là. Bon travail. C'est la deuxième. Plus qu'un badge à trouver. Bah oui, mais je l'ai trouvé, Ryder, déjà. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de la voir? Marcus! Il est là, je peux pas le prendre! Ah, Marcus maintenant! Ah, je suis Bobby, mesdames et messieurs! Je ne comprends pas. Tu n'es pas aligné, tu passes derrière. Mais non. Génial. Continue à chercher Galinetta. Arrêtez de dire ça. Arrêtez, les Chase, amis. Chase, c'est ce qui... Chase va chercher Galinetta. Mais regardez. Je suis dessus. Je peux pas faire mieux. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on ne l'a pas, quoi. C'est le même problème que tout à l'heure. Donc tant pis. Par contre, attends. Marcus, il doit vraiment récupérer, absolument enlever toutes les odeurs. Et vraiment toutes l'odeur les odeurs. L'odeur de ces tulipes empêche. T'inquiète, je sais. Mais ensuite, je pense qu'on trouve Galinetta à ce moment-là. Faut demander de l'aide à tes parents. Je vais appeler ma mère après pour voir si elle peut m'aider, quoi. Ah, j'ai sauté sur les deux poubelles. Je pense que tout comme le niveau précédent, il y a un petit bug.
ici aussi, je crois. Pour cette mission, nous avons besoin de Marcus. Vas-y, Marcus. Magnifique, Marcus. Félicitations, tu as toutes les friandises. Ah, il y en avait. Donc il y en avait que 150. Très bien. Chase, ton odorat. Ah, on Marcus, a besoin d'aller pour cette là. Cette mission, nous avons besoin de Marcus. Pas de souci. Ah, Marc. Allez, Marcus. Enlève-moi toutes ces odeurs grâce à ton eau. Pour que directement Chase puisse trouver Galinetta. Galinetta, cette petite coquine qui a dû se cacher encore une fois. Il faut l'aider. La mère Goodway n'est pas rassurée. Très bien, Marcus. Par contre, j'ai hâte de voir leur super pouvoir à eux. Génial! Continue à chercher Galinetta. Je fais que ça. Chase, c'est ce qu'il... Ok. Je suppose que le dernier est là. Ouais, c'est ça. Marcus. Allez, Marcus. Et après, on L'odeur va trouver Galinetta, je pense. Hein. Je pense, j'imagine. J'ai ouï dire. Donc, il y a des niveaux avec des croquettes. Il y en a plus ou moins. Là, c'était assez petit. Donc, c'est vrai que 150, ça fait sens. En gros, il y a des badges qui ne sont pas encore débloqués parce qu'il n'y a pas assez de croquettes en général. Ah! Tu crois que c'est ça, ce Bess Draco? Ah, t'as peut-être raison, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Vous savez, quand on est allé dans les badges, les trucs à collectionner, en effet, il y en avait, tu pouvais avoir que si t'avais ton truc. Alors, par contre, c'est bizarre qu'il les ait mis dans les premiers niveaux, tu vois ce que je veux dire? Là, tu vois, il y est plus. C'est bizarre qu'il les ait mis dans les premiers niveaux, je trouve. C'est plus probable, parce que je trouvais ça bizarre quand même qu'il y ait... Galinetta oh non, Galinetta toujours jouer. D'abord, il faut la mettre en sécurité. Chase peut utiliser ses cônes de signalisation pour interrompre le oui, trafic. Oui, Chase. Ok, Chase. Super. Ok, Chase. On interrompt le trafic, hein. Ok, encore un. Arrêtez tout. Oh non, ils sont tombés. Oh, ça va. Interrompre le trafic, bah... Super. Voilà, Marcus voilà le trafic. De son échelle. Stop. On repense à tes mômes. Marcus peut utiliser son échelle pour sauver Galinetta. Très bien. Il va faire la blague. Bravo, Galinetta est en sécurité. Yes. Bravo. La patte patrouille encore une fois. Ils sont si heureux mais sans bruit. Mission terminée. Tu as trouvé Galinetta. Je pense que oui, en effet, c'est plus que probable. Il faudra retourner les faire, ces niveaux. Ouais, ça me semble plus sympa. Pourquoi il descend juste pas de la voiture pour les poser? Bah parce que c'est plus rapide comme ça, gros. Il les jette par deux. Vous avez pu voir que Chase, il les jette par deux. Et il tombe pile à l'endroit où il l'a décidé. Non, il est très très bon, il est très très bon. Et Galinetta, oui, en effet, c'est donc la poule de la mère Goodway. Madame Goodway, quoi. Ah bah, après, c'est une poule qui est un peu ding ding ding, les amis. Si je puis me permettre. Alors, c'était le dernier épisode. On va voir si on a débloqué un mini-jeu peut-être. Ok, on a 1644, hein, ça bizarre. Véhicule de Ruben, très bien. Mini-jeu. À collectionner. Bonus à collectionner. On va voir. Personnage, lieu, personnage. On va trouver des personnages. Non, c'est bizarre parce que regardez. Regardez celui-là, ça a l'air d'être Jake, c'est là où on n'a pas pu l'avoir. Et celui-là, c'est la mère Goodway. Et c'est ce qu'on vient de faire. Je suis sûr que c'est de là, hein, non? Ah, quoique non, tu me diras, il y a du Jake ici. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, faut peut-être attendre un peu plus longtemps, quoi. Ouais, faut peut-être attendre un peu plus longtemps, ça monte jusqu'à 8000, hein. Ça monte jusqu'à 8000 quand même. Bah écoutez mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette première partie du Let's Play Pat Patrouille, mesdames et messieurs, incroyable avec Ryder et tous les amis de la Pat Patrouille, tous les chiens, les chiots devrais-je dire, qui se régalent. On a quand même joué Mission principale. Le jeu, honnêtement, pour les enfants fans de Pat Patrouille, pour les enfants de 3 à 6 ans, très bien, fait le taf, parfait. Pour les autres,
c'est entre toi et ta conscience. Tout simplement. On y reviendra après les 18h25, mesdames et messieurs. On va faire une pause pas de patrouille rapidement. Alors, changer. Moi, j'aime bien. Je vais sauvegarder. Est-ce que ça sauvegarde automatiquement ou pas? Réglage. Attendez, si je le laisse moi.